On va monter jusqu'à 2900. Ok. Allez, vamos. On la le lui laisse, sa faction. Nous, on va se faire des petites boxes d'elfes et on va break tôt. Et on va lui péter la gueule avant qu'il ait des rocs. S'il te plaît, passe. On va donc jouer Mephala, je pense. Ouais, hein. De toute façon, on va pas prendre de interférence contre Stronghold. 2300 pour nous. Et attends, je vais attendre qu'il sette bien ses trucs. Pardon. Oh là, décidément. Rempart Stronghold de l'or. Non, Stronghold, c'est pas contre les marais. Forteresse. Il me semble. Hein. Enfin, c'est sûr que c'est aussi, mais après, peut-être qu'ils ont rapport avec les elfes, ça, pour le coup, que j'ignore. Le skipper. Ok. Pas ouf. Mais pas dégueu. Mais pas ouf. Mais pas dégueu. Bon. On va aller loin avec ce genre de réflexion. Plus d'un scouting. Pas dégueu. Pas ouf. Mais pas dégueu. Mais pas ouf. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh. Ça me saoule. Dès que je fais un footing, je tousse après. Enfin, j'ai un chat dans la gorge, quoi. Ça me saoule un petit peu. Je ne vais point au foutirement. Il est quand même pas mal compact, le bunker. Ça fait plaisir. Genre, on peut tout avoir assez rapidement. Mais... je sais pas si on le garde, celui-là, honnêtement. En fait, j'ai envie de rôle. Je me sens d'humeur joueur. D'humeur joueuse. Ouais, d'humeur joueuse. Saleté de chat dans la gorge. Je n'ai plus de chat dans mon appart. Mais j'en ai un qui m'accompagne. Ah, là on parle. Là, l'ambiance devient meilleure. Vous achetez ça direct ou... ouais, on repasse pas, vas-y. Tac, tac. Tac, 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 tac. Putain, je suis toujours rouillé là. Certes, hier, je me chauffais petit à petit. Mais là, je suis à nouveau rouillé, là. Je sens que je suis pas à l'aise. 1-1-1. On dit pas plus, frère. SOD, voyons, Kragak, Yogg, Jem, Gellus, Sandro, voyons. J'ai jamais fait la campagne de SOD de ma vie. C'est pas là où il y a pas Gellus dedans. Ah si, il y a Gellus dans SOD. Peut-être j'ai fait, alors, vite fait. Mais juste Gellus, alors. Attends, 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 attends. Aïe, 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 les Battle Dwarves. Ok, donc je pense que c'est ça tour 1. Et comme ça on les prend et on a un power stack direct. Allez, vamos, sympa. Parce qu'ils passent de 3 à 5, donc ils nous ralentissent beaucoup moins. Ça devient tout de suite... ouh, par contre ça c'est... ouh, ça j'aime pas du tout. On va pas pouvoir le prendre. On va faire une Kira. Mais attendez, mais dites-moi que j'ai la musique d'Elwin. J'ai seulement de capter moi. Oh putain. Oh frère. Oh la gueule. The gueule is very ugly, hein. Là. We don't like what we see. What we see. What we are seeing, nor what we saw. Bon, vas-y. Frérot, tu. T'aurais quand même pas cliqué sur cette croix. Tu m'aurais pas fait ça. Après toutes ces années. Putain, il me manque deux scrolls encore. Il y en a... ah, et les deux, ils sont là. Ouais. Est-ce qu'on prend ça? Vas-y. En vrai, ça nous a pas mal aidé la dernière fois, donc je vais essayer de le prendre un peu plus qu'avant. Side donjon et mid Hades, les Zamzam. Voilà ce qui nous attend sur cette game. Qui dit side donjon? Ah, putain. Qui dit side donjon dit que nos villes, dès qu'on break, seront des donjons, et que donc on aura des portal summoning, donc que si on prend pour seul et unique dwelling des dragons verts, on aura dwelling dragon vert. Pas de chance dans les portails de summoning. Pas de chance, c'est la pire faction pour faire ça, Rempart. La pire de toutes. Toutes. Aucune n'est pire que Rempart pour jouer des donjons side. Donc, c'est un peu terrible. Pardon. Ah putain, ça me fait chier ça. J'espère que ça...
Ça vous casse pas trop les oreilles. J'avoue que je sais pas exactement comment on l'entend sur le live. Bref. Ouais. Parce que en fait, on est quasi obligé de prendre nos twillings de Delph. Genre vraiment, c'est de la merde. Voilà, on peut pas prendre ça, on peut pas prendre ça. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Faut claquer du mana. Vas-y, on va t'aider là. Ah, on est obligé de rush en vrai. Bon, on fait comme l'IA, c'est pas grave. Oh, je n'ai pas les gold. Oh, ça, la situation empire. La situation s'aggrave à vue d'œil. De jour en jour. Bon. Bon, bon, bon. On va se faire du marché. Même pas, faut qu'on garde beaucoup de bois pour notre faction. Wow, en plus ça c'est pas la vie de notre faction là en plus. J'ai même pas tité. Ouais là pour le coup on se mange l'opposé de ce qu'on a pu goûter hier. Hier on avait de la bonne RNG au start. Solmir c'était fou le start qu'on s'était pris. Là on est juste en train de prendre l'inverse en plein dans les dents. Right in the teeth. T'inquiète Barba, vraiment c'est rien. Y'a aucun souci Barba. Bon, tac, tac, wait, ouais mais en vrai c'est avec les nains qu'on devrait les... Ah oui mais du coup je me suis body block, bah oui, bien joué, trop de balles. Oh là là, le con, je me suis encore body block mais... Oh la gueule de mes fights. Oh la gueule de mes fights. DSL. Allez. On se reprend. On se reprend, on se ressaisit. Allez le J, on y va. On recule pas. On va de l'avant. Vaille que vaille. Vamos. Je sais pas si on bute ça direct, on va peut-être galérer en gold. Demain on fait guide mage. Ok, on est qu'à 1-5. En vrai, on n'est pas si lent sur la map au moins. Ouais, je me disais bien que ça allait s'enfuir ça. C'est... En vrai, avec du one stack, on peut s'en faire pas mal. Donc go voir lequel c'est. Ah, gold, on peut pas. On avait 2 chances sur 4. Gold et noir, on peut pas. Vert et rouge, on aurait pu. Frère, c'est quoi ça? Il est gardé par 5 elfes. Je suis obligé de prendre archi cher. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le fiasco. Oh là, il joue avant. Oh là là là. C'est terrible. On pouvait pas faire grand chose de mieux de toute façon là. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de regrets. Ok. Bon, alors, en termes de box, on a trouvé une box ici, facile à faire, mais qui sera pas si ouf que ça. Après, en vrai, 20 à 49, s'ils sont 40, ça, ça fait pas beaucoup de value, ça peut être du tier 3. Hein. Il y a un monde où c'est des elfes. En parlant d'elfes, là, c'est des grands elfes qui vont nous péter la gueule, cette box. Salut Art. C'est un début un peu compliqué, mais tranquille. Ça devrait le faire. Exactement, en rempart ça go full box, tempo, ça bute de rien. Ce qui est. Baf, ouais, franchement. Bah, rempart c'est pas pour rien, hein. Vous avez vu, il a payé 3k le mec en face pour avoir Stronghold. Après, Stronghold en ce moment c'est très fort, hein. Mais bon. C'est pas une faction pour laquelle on a l'habitude de voir non plus des sommes astronomiques être dépensées.
Ok, c'est gardé par quoi? Putain, frère. Frérot! Tu peux me mettre des fighters là? Putain, ça c'est les deux trucs qui sont bons qu'on a trouvés. Mais malheureusement, les gardes là, ils sont. Je pense honnêtement, enfin, on va devoir la grab cette homestead. Parce que là, on va pas avoir d'armée quoi. On peut pas. Ah si, on peut DD et TP dans le même tour. Ok. Grâce à la magie de l'air. Du coup, ça nous coûte 20 et 16. Ok, go. On tente un truc. Au pire, on a du knowledge. Ok. Ouais, on pourra pas. Fais chier, putain. C'est de la merde. Oh, on a une map qui est horrible. Je sais pas comment la jouer. Je sais pas comment la jouer, la map là. Ouais. On aurait peut-être dû payer pour Stronghold là. Yo Barastor. Tempo, c'est l'inverse du scaling. C'est de la puissance instantanée. Là où scaling, ça donne la puissance qui est de plus en plus forte sur, au cours de la game. Exemple de scaling, les dwellings qui te font de plus en plus d'armées. Tempo, un artefact qui te rend instantanément beaucoup plus puissant, mais il te rend pas plus puissant dans un mois que maintenant. Tempo, puissance instantanée, inverse de scaling. Puissance faible au départ et très forte en late game. Et n'hésite pas si t'as d'autres questions sur ce genre de vocabulaire, il n'y a aucun souci. Je pense honnêtement il nous faut une armée là. Je pense que c'est ridicule mais on va DD ici et faire un petit peu de trucs. En plus les cristaux c'est pas inutile, on va peut-être vouloir build Pégase un moment. J'espérais aussi évidemment trouver un truc, hein. Bon on n'a rien trouvé mais bon. On pouvait aller jusque là tu vois, mais là en l'occurrence on n'a rien trouvé. On a ça. C'est mieux que du cristal. Ok, je vais acheter mon livre aussi, je l'ai pas acheté. Peut-être c'est pas le moment de faire ça, on va le faire plutôt en début de tour prochain. Bon. Bon, au moins on a de l'armée. On va avoir 25 grands elfes. Bon, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus de la merde. Avec 25 grands elfes, on va pouvoir commencer à se faire des objectifs. Genre les kragnins et tout. Bon. Pouvoir stack de nains, ça dégoûte, ouais. Franchement, ouais. C'est pas la folie. C'est bien, mais pour le late game, justement. C'est un peu comme les golems, tu sais. C'est bien juste en final fight. Parce que sinon, si tu t'en sers pour clean la map, tu vas bleed. Tu vas perdre des troupes petit à petit. Et à la fin, bah, ton power stack, il disparaît, quoi. Il meurt petit à petit. Bah après là on va jouer Mephala et Rush. Mais c'est vrai que en fait vu que je comptais le Rush, t'as raison, Aerys aurait été plus fort. J'aurais dû go Aerys en fait. T'as raison, je m'étais pas fait la réflexion. J'ai vu Mephala, j'ai go mais... Et puis c'est lent mais avec un... Mais c'est précisément parce que c'est lent que tu en perds beaucoup. S'ils étaient rapides... Bah t'en perds pas parce que tu joues avant l'IA quand c'est ton power stack et tu l'exploses mais justement c'est précisément parce qu'ils sont lents comme les golems que du coup tu es obligé d'en perdre parce que dès que t'affrontes une troupe plus rapide bah tu pourras pas les empêcher de te mettre un coup avant de les one shot. Et même si tu les one shot du coup bah t'as des pertes. D'où le fait que tu en bleed obligatoirement. Je pense que c'est DD ici on fait les deux. Après en vrai de vrai si quand même. Ok, on peut pas savoir si c'est des stacks de 6 ou 8. Toi, tu vas one shot la rapide. Toi, tu vas rush celui du milieu là, c'est lui. Vous allez body block, toi, tu vas taper celui d'en haut. Non, même pas. En vrai, vous allez body block en haut. Toi, tu tapes là. Vas-y. Ouais, c'était bien. C'est bien ça. Ça, c'était bien joué. Bon, c'est cool. Beau placement.
en vrai. Pablo. Pablo. Pas beau placement pour le coup. Pablo placement. Bonjour à tous, je suis Pablo placement. Ok, bon, on a eu R et Earth, ça par contre, on peut clairement pas s'en plaindre. Est-ce qu'on veut prendre plutôt coffre plus Médusa ou ça? Je pense que c'est coffre plus Médusa, hein. On a vu que les Médusa Store, on s'en sortait très très bien. On pourra pas faire les deux. Parce que là, ça me fait 530 restants. Tac, tac. Ouais, non, on pourra pas faire les deux. Donc. Ah, dommage. Comment en plus comment j'ai eu 3 elfes là? Bon, pas mal. Pas mal. On a fait des XP, on a fait des gold, on a trouvé deux magies. Allez, ça part de là. On peut dérouler très vite. Hein. On trouve deux box d'elfes, c'est fin du game. Hein, donc. Oh les cœurs. Oh les cœurs. Yo Jax. Avec plaisir frérot. Merci à toi d'y contribuer. On va se replacer. Je sais plus cliquer avec ma souris, c'est comment là? Bah du coup le conflux n'est plus une priorité, hein. On préfère aller chercher notre troisième rempart. Ouh ouais, 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 ouais. Orb d'air ici. On n'a pas trouvé de plus de partout encore. Non. Parce que vu qu'on va pas mal se taper là, ça va monter assez vite XP. Je veux d'XP, donc ça c'est un bon objectif. Dommage que ce soit une mini. Là même des stacks de 30, on les tape. Il aurait juste fallu que je me stappe, me positionne bien. Ah quoique, 30 avec du moral ça pouvait être compliqué. 20 même avec moral c'est ok. Ça veut pas, ça veut pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Bon, ça on va vouloir. Et du coup, on peut dédier 200, ça fait 300, donc on est sur du 980, 880, on prend ça. 780, 680, diagonale 140, 520, tac, tac. Donc 420. Donc je peux dépenser 420 points de mouvement. Donc ça, là je pourrais pas. Parce que là je peux aller ici, mais je pourrais pas prendre le coffre après. L'auto était ok. Ok, pas mal. Bon. Toujours pas view air. View air en ce moment, c'est chaque game, ça nous casse les couilles. On se croit qu'il apprend le calcul mental. Faire le bâtiment pour augmenter la prod de nain. Non, franchement, on va pas go nain. Là, le but c'est de go power stack d'elf. On est obligé pour vider la map. Triple but Pégase, trop compliqué. Il y a des fifous qui ont tenté ça avec Aéré au début du triple but, mais le problème c'est que Pégase c'est de la merde rapide, mais c'est des chips anémiques. Exactement, franchement c'est très... c'est faible quoi les Pégase en fait. Ça tape pas très fort, ça tape du 5 à 9 et ça a pas beaucoup de vie quoi. Donc en Final Fight c'est comme les génies et les Scorpicor en mode ouais c'est bien mais ça se fait tuer quoi.
Encore, Scorpicor, en vrai, n'a rien à voir. C'est plus comme les génies. Les génies, voilà, c'est vraiment full squishy. Comme ça. Bon, faut vraiment qu'on level up dans Magie de la Terre, mais putain, on a une chance sur 4 seulement là. On a 80 de knowledge, on peut faire un tour dehors. Ça, ça s'enfuit. Ou pas. Allez. Putain. Bon, par contre, hormis ça, est-ce qu'on peut avoir des box dans notre biome? Genre, juste. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on a trouvé 3 box dans tout ça, quoi. Donc, j'avoue que ça commence à me faire perdre patience un petit peu. Surtout que là, ça a l'air de cher la value avec. C'est quoi ça? Je reconnais même pas. C'est quoi ça? Ça doit être une dwelling. Ça doit être une dwelling que je reconnais pas. Non, mais. Si, ça doit être un truc de Pégase qui fait comme ça. Bref. Là, ça s'enfuit. Bon, on va chercher. Ouais, putain. Des putains de tier 7 qui vont garder du tier 1 là. Dès qu'on a magie de la terre, même sans les box, on se fait une belle armée en passant dans toutes les villes. Pardon. Ah ouais, bah ouais, bah ouais. C'est pas des tier 7, hein. C'est pas des tier 7, non mais c'est vrai, autant pour moi. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas des tier 7. C'est des sharpshooters. C'est pire. Du nain. Ouais, anticipé. Ah, les bâtards. Non, on est obligé. Franchement, on est obligé de choisir la DD là. De la TP. Là, on est trop. C'est trop. Ouais, on va être lent, sa mère. Putain. Ok, bon, au moins on a le meilleur break du jeu. On peut break 1-3-1 sur ça. Bon, on n'a pas les force field, mais. On a un peu de stats physiques. Faudrait une épée. Est-ce que là, on va pas juste Conflux? On se bat même pas. Genre, on prend notre autre point de TP, Conflux. Ok, on a pris là le point de TP, c'est suffisant. Vu qu'on veut rush. En fait, on peut pas jouer scaling. On ne peut pas jouer scaling contre lui. Donc on est obligé de rush. Donc ça sert à rien de prendre notre point de TP. On veut tempo un max ici. On va se faire cette box, voilà, par exemple. Attends, après on va faire toutes les box et on va d'abord upgrade ça. Ça c'est pour faire s'enfuir les elfes si possible. Nice. Allez, allez. Est-ce qu'on peut TP, DD, TP? Non. Donc on va juste faire ça. On va manquer de mana si on se met là ou pas? Est-ce qu'on pourra DD et TP après? Ouais, on pourra large DD TP. Ok, donc on s'en fout de pas garder de mana. S'en fout. On passe par là, on prend ça parce que ça peut nous faire un artefact de stats. On remonte là. Je sais pas si on fait ça et on fait une DD. As-tu un rein pour améliorer des noms? Le premier, bah en fait, il coûte x2. De base, les nains coûtent super cher à upgrade. Et en plus, si c'est x2. Donc,
Il y a une fourmi. Ça, c'est pas bon, ça. Bon. On va espérer que ce soit un cas isolé. Oui, oui, on peut me le reproposer, le talent. Heureusement. Merci, Lambda. La réponse. Ah, tu en as une, il n'y en a pas qu'une. C'est justement ça qui me fait peur, NHR. Et bienvenue à toi sur le chat. Mais ouais. Écoute, je vais voir. Hein. Là, je peux rien y faire dans... À l'instant, quoi, je veux dire. Hein, le moral. Putain, c'est pas une game nain, ça. Ça aussi, ça peut faire un Artea stat. La dunks. Ok, plus un HP. Là. Prochaine mana et après tout acheter. Bon. Bah là pour le coup on va triple miners guild. Soit ça soit une citadelle, ouais en vrai un peu citadelle quand même aussi. Ça sert à rien de garder de pierre aussi. Et Wazoo. C'était très mal parti, mais on se bat. Et là, on va avoir un power stack de nains colossal. Bon, ça va pas nous aider spécialement pour le break, mais si on le rush, ce qui est le plan, ça devrait être bien utile quand même. Ouais, c'est ça, on va galérer en gold. Faire gaffe. On va pas prendre les centaures. Et bon. Attends, l'auto est limite bon, non? Non, je pense qu'on fait mieux. Nice, oh putain. Ouais bah je suis con. On fait la classique, c'est pas grave. Oh bah en plus c'est body block donc c'est mieux de pas l'avoir tué. Hop, là du coup il fait nimp. Ensuite je tue. Super. Ok. Toujours pas... Enfin, on est toujours en basique R. Hein. Donc là, on marche en fly à moins 40% dans le désert. C'est quand même bien con comme nouvelle. Ah donc là en fait je perds mon tour quoi. J'ai 800 points de mouvement avec lesquels j'ai rien à faire. D'accord, lourd. On va prendre ça du coup. On va faire un aller-retour. Enfin, on peut, c'était où qu'on voulait aller. Là on peut recruter du nain et après on finit là et on va... Okay.
Donc 1, 2, 3. Ouais, ils ont pas bleed. Non, mais là, c'est sûr qu'on a un bon power stack. Hein, pour le coup, si on se tape maintenant, on est extrêmement fort. Mais bon. Putain. C'est quoi la rêve des nains là qui creuse? Oh oui. Banana. Oui. Merci beaucoup frérot, c'est Banana. Je verrais Krakito, on serait en train de se demander si on fait une Utopia. en vrai, on va faire l'Utopia, t'as raison. 239 c'est ça devrait être assez. Après en fait non ouais non. Ouais, le truc ouais c'est qu'on va vachement bleed. Ok je me disais bien que c'était Nahelbuck mais vu que j'ai jamais vu ma Nahelbuck, mais ça sonnait très Nahelbuck quoi. Bicarbonate de soude et notre ami. En plus j'en ai un. En forme de quoi de poudre lambda. Pour les fourmis là. Et si oui tu t'en fais quoi. Tu le mets où. Bon de toute façon Google aussi sera mon ami mais animal de compagnie. Arrête de cacher des gâteaux sous ton lit. Au niveau du trou, ok. Ok, ok. Il faut que je vois par où elle passe et je les oblitère, quoi. On va en bleed un peu, mais c'est pas grave. Deux nains, bon, ça va pas faire de différence, y'a pas de soucis. Bon. J'ai toujours pas viewer, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, je l'ai toujours pas. Hey, hey, je l'ai toujours pas. Hey, hey, je l'ai pas toujours. Je l'ai pas toujours. Je l'ai toujours pas. Hey, hey. Je l'ai toujours pas, hey hey, je l'ai pas toujours, je l'ai pas toujours. Ok, c'est la fête, on adore. Ouais, nice, on peut pas reach là en plus, à cause de notre fly de merde. Sinon, 1180, ça passe là, mais là ça passe pas du coup. Parce qu'on va payer 120 par truc. Bon, de toute façon, on va finir ici, quoique... Ouais, on fait les allers-retours pour acheter, mais on a rien à acheter, vas-y frère. On peut faire un aller-retour. Ah si, ouais, ah si, 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 les centaures. Ouais, on a 80 centaures à acheter si on veut. Sinon, il y a peut-être un truc juste à côté d'un château qu'on avait omis ou quoi. Si, en vrai, regarde. On peut faire et les centaures et ça, non. Ouais, c'est bon, ça passe, parfait. Comme ça, on se fait aussi 7 elfes. Bon, mine de rien, en vrai, ça commence à être pas mal. 310. C'est bon, ça passe. C'est bon, on a déjà build là-bas. Ici, on upgrade ça en priorité. Ah oui, c'est pas là qu'on upgrade, merde. Bon, on pourrait upgrade des centaures, mais on n'a pas les golds. Bon. Ok, il est encore chez lui. Il est encore chez lui, ça fait plaisir.
Ça, c'était bien joué. Il va falloir passer en bas. Et là, du coup, il reach pas. Nice. Et Dédé. Oh, avec l'orbe d'air. Ah bah, on l'a, notre rush. C'est ça. Oh oui. Oh oui. J'ai limite envie de le faire maintenant, mais on va se faire bien péter la gueule. C'est une mauvaise idée. On a Mephala quand même, faut pas oublier aussi. Mephala sous shield, ça va être un sacré morceau à tomber. Il mange le cadavre pour taper deux fois, ces enfoirés. Jouer. Merde. Ah putain. Ah, si on rush, c'est tactique ça. Bon, hors d'air, tome d'air, si on a du spell pot, ça on les découpe avec la magie. En plus, on a ça, en plus, avec ça, ça marche super bien. Si on se bat à la magie, on s'en fout de notre attaque, donc ça c'est très 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 fort. On va pas l'utiliser tout de suite. Bon. On va rush le mid là. Il faut qu'on aille au mid. De knowledge, ça va être assez, sauf que si on se bat à la magie, ça va être chiant. Donc, on va essayer de prendre des fights que de trucs qui requièrent pas de magie, mais on va quand même essayer d'en prendre parce qu'il faut qu'on level up. Là, on est que niveau 15. On n'a pas de stats, putain, on n'a pas trouvé le plus de partout. Ça se ressent, c'est pas grave. Un peu de biodiversité dans l'appart, pourquoi pas. Ah, les fourmis, malheureusement, ouais, c'est ça. C'est les fourmis, c'est vraiment à part. Les fourmis, c'est vraiment de la merde. T'as pas tort, t'as pas tort. C'est trompé, fallait mettre t'as pas tort, t'as pas tort. Alors que toi t'as marqué t'as pas tort, t'as pas tort. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Le pixel pas exploré en haut à gauche, ça tombe bien, il y a le plastron à côté pour faire du SP. Ouais, ouais, mais tu veux dire pour le plus de partout? Non, non, là, il y a une grande zone qu'on n'a pas trouvée, hein. Enfin, qu'on n'a pas explorée, donc clairement, j'en veux pas à la map, c'est, enfin, c'est pas de chance. Factuellement, vu qu'on a exploré un bon 75-80%, c'est pas de chance de pas l'avoir trouvé, mais c'est pas du tout bullshit, quoi, il y a pas de problème. Juste, ça se ressent, quoi. Me dis pas que t'es pas là, Flous. T'inquiète, Riku. Faire aux autres feux avec tactique, ouais, c'est vrai, totalement. T'as raison, c'est vrai qu'avec tactique ça change tout. Avec tactique, là on empale tout. Ouais, bah on fait d'abord ça d'ailleurs avec tactique. Ouais, on va faire deux stacks de nains ou un stack de centaure juste pour body block tour 1 et on shield et tout. Ouais, bah du coup, en fait, limite on va pas au mid tout de suite, non? Bon, juste, est-ce que je peux avoir viewer? Le truc, c'est que si je le fais maintenant, je peux passer plus de temps sur la route et explorer, exploser, je veux dire, plus de choses sur la route. Franchement, j'ai envie de le faire maintenant. Hein. C'est un game changer de ouf, en fait. On fait ça, et après, pour aller au mid, on passe par là, en plus. Comme ça, on s'arrête pas. On le rush direct. Si on fait ça, on peut arriver...
Ou alors, DD1, DD2, je cours. Et prochain tour, je suis mid. Et ensuite, je régène pas mon mana, mais je m'en fous parce que je stone portal ici, je prends le x2 mana et je le rush en diagonale. Oh, c'est beau. Je tente une dinguerie. Parce que là, c'est un place de pro si ça passe, donc j'ai envie de me sentir pro aujourd'hui. Aujourd'hui, on est grand. Ah merde! Ah merde! Les one stack qui protègent pas vraiment. Ah bah si. Merci l'IA et son cerveau. Un peu trop tard pour votre passif. Est-ce que je préfère écho du... Est-ce que je veux claquer 15 points de mana pour économiser 100 points de mouvement? Non, 150. Non, je pense pas. Donc, ça veut dire que c'est ça le meilleur plan. Ok. Oula, par contre... Concentre-toi. Pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Ok. On n'a pas, on est d'accord. Ça, ça tente, hein. Ça, ça me tente bien. C'est des box inferno. Donc si je chope une méga box, ce serait très très cool parce que ça veut dire archidiable. Et donc speed prio. Speed prio, on gagne. Oh putain. Ouais, non. En plus là, ils vont pas être nombreux. Faut vraiment qu'on le fasse ça. Faut qu'on fasse ça. Et qu'on atteigne le mid. DDDD fly 55. TP 67. On peut donc dépenser 86 moins 67, soit 19 points de mana. En combat. Parce que prochain tour, il faut qu'on soit au mid. Après, en plus, non, non, bah non. J'ai que 1632 mouvements, je sais même pas si je reach après. On a quand même fait du terrain. Ça. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a fait 28 cases, soit 1400 points de mouvement en... si on était en ligne droite parfaite. Donc, de château à château, ça ferait 3000. 3000 on reach de château à château. Donc si, on reach mid, si on prend rien. Le truc, c'est que j'ai envie de... Ah mais non, mais j'ai déjà le... Non, en vrai, c'est une... Bah, c'est quand même une belle upgrade, mais c'est moindre que si on n'avait pas le 25 de dev, quoi. Mais il a pris Shiva. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, le fou. Oh, le fou, il a pris Shiva. Il a quand même un petit talent en calcul mental. Bah, j'ai toujours été doué en calcul mental. Donc, c'est la première fois de ma vie que je peux le rentabiliser sur une activité. J'avais déjà mentionné ça, et ça me fait plutôt rire. Ok. La première DD c'est ça. Et la deuxième c'est ça. Ok, donc on a des très belles DD. Franchement ça donne envie. Hein. Je le tente. L'upgrade est trop bonne en fait. Enfin. Ah, donc... Si je le prends, j'ai la DD après là.
ça le fait, ça le fait. Je suis convaincu que ça le fait par contre là. Allez. J'ai pas... Bah, j'ai chaté en fait. J'aurais pu perdre la game là-dessus. Si je me tapais en morale, c'était fini. Fun fact. Fun fact, c'est pas fun. Hop, on est call mana. Tranquille ou bilou. Vas-y, te prends pas la tête, écho ton timer et joue simplement. Ah merde. Ah merde. Ah bah si, c'est pas grave. On n'a pas besoin de finir dans une ville. Oui, on TP au prochain tour. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Enfin, on finit là. Et après, pour le mana, on a assez pour TP, comme prévu. Et on TP là, on prend le x2. C'est beau ça. C'est beau! On va le broyer, frère. Allez. Allez, on l'a. On le rush directement là. Ou alors, non, bah non, diagonale, c'est pour ça qu'on a fait tout ce setup. On lui prend sa main. On lui prend sa main à 1-4-1. Sans pitié. Et c'est pour ça que la couleur est importante, et c'est la même chose qu'on a fait hier. Je pense qu'assurer le mid est meilleur. Tu veux dire que le rush? En mode, toi, tu partirais jouer Inferno, là. C'est vrai qu'on a la gouze, donc pour jouer late game, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on peut prendre les sides pour les dwellings de diable, mais même pas, c'est pas ouf. Je pense qu'assurer le mid était meilleur que le bouclier. Ah ok, pardon. Bah on a pu faire les deux. Du coup, c'est le petit anneau qu'on a, mais en même temps on est loin de l'Elixir of Life, pas trop, c'est pas trop le thème là. Là c'est excellent, mais enfin, on pourra pas aller chercher ça. Ah mais du coup, c'est vrai qu'on est lent, je sais pas si en diagonale ça va passer, si on devrait quand même pouvoir. L'arc de Midas on s'en fout honnêtement, peut-être qu'on l'a, mais je veux dire le Golden Bow je pense. Le Golden Bow, on s'en fout. Juste être en pleine flèche, on va se battre avec la magie, pas avec les elfes. Milieu timer, c'est quand même un signe, non, 8 minutes. Bah, c'est un signe, oui et non, je sais pas, enfin... Il y a des joueurs qui sont rapides, c'est après, ça, c'est tout un chacun... En plus, moi, je mets un timer long, hein, quand même. 1 minute 20, le tour, et 30 secondes, le combat. Sachant que, de base, c'est 1 minute 15, le tour, et 2 minutes 20, donc c'est 5 secondes par tour. Plus 15 secondes, pour que ça fait la grosse différence, c'est 15 secondes de combat au lieu de 30. Donc, en vrai, ou peut-être c'est passé à 20 maintenant, le combat, je sais pas ce que c'est le combat officiel, c'est peut-être 20. Mais bon, tu vois, si t'as l'habitude de jouer sur le timer officiel, t'es... Tu grappilles à chaque tour sur mon timer à moi, tu vois. Pas se focus sur la game, pardon, pour avoir un avis sur le rush ou le but, mais en vrai, l'écho est désastreux et t'as pas de quoi Utopia. En fait, de quoi Utopia, on peut très très vite l'avoir. On fait une ou deux box et on se bat en invoquant des élèves. Parce que tu vois, on a le tome d'air, donc on se bat avec... chaque tour, on invoque 72 élèves d'air. Et voilà. Premier tour, il nous focus 9-1, par exemple, on en perd 10. Et après, on... Ouais, peut-être plus que 10. Bah non, en fait, parce qu'il y aura que les dragons noirs et dragons d'or qui richeront. Parce qu'on se met tout à gauche. Et du coup, ouais, après... ce seront les LM qui se feront focus. Donc en vrai, non, les utopies on peut. Hein. Justement grâce à l'invocation des LM. En tout cas, je suis pas peu fier de notre place là. Pourquoi j'ai pris autant de... Je croyais que j'allais passer à 18 avec le bouclier. En fait, j'étais déjà à 18, ça veut dire. Parce que là, je suis passé à 22, donc on est ultra large pour le coup en mana.
Avec 18, je me disais ça passe, tu vois, double DD, double fly en deux tours. Mais là, pour le coup, avec 220 x 2, ça va être bien plus large encore. Ok, il part par là, il n'a pas pris ça, donc en fait, on va... Ah, je sais pas si on prend ça. Je sais pas si on reach. Ok, go. Merde, j'aurais dû faire play avant, my bad. Ok. Exactement ça qu'on va chercher sur la route. Plus de possibilités quand même ça. Ok. Un petit plus de partout. Là il peut pas rester dans le désert parce que où qu'il aille je le reach. Il peut partir en side. Mais s'il part en side je prends ça. Et après je descends et je prends tout. Donc soit il back et il défend. Mais du coup il se renforce pas et on l'explose aux objets. Parce qu'il va pas avoir le temps d'avoir de la magie je pense. Soit... Il abandonne toute sa base, il a plus de prod et nous on joue late game, enfin on prend tout le mid et on l'explose. N'oublie pas le plastron. Bah on n'a pas de plastron hein, mais enfin je pourrais le pick up mais pour l'instant le plan c'est de le rush. Donc je voulais pas claquer une DD sur ça tu vois. Est-ce que je le lave sans le plastron? Ce que je pense du moins. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Goose, Cornu aussi, t'as raison. C'est vrai qu'on a trouvé Cornu. C'était où Cornu? C'est là, ouais. Ouais. Effectivement, on a Free Cornu, Free Goose. Ah, c'est vrai que c'est... C'est pas bête, hein. De go late, là. Mais après, on aurait dû build plus tôt, je pense. Bon, là, il va prendre du temps. Ah, ce sera jamais aussi long que le Final Fight qu'on a cast ce midi là. Enfin ce midi à 16h. Tu penses que je gagne Stella frérot? C'est mieux que t'as rien. Un stream du Grand J, ça faisait longtemps. Toujours un plaisir. Ouais, j'ai repris hier, ouais. C'est déjà le troisième stream depuis la reprise. Et au Force Lapin. Donc ouais, ouais, c'est la reprise qui fait très, 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 très earplay. Merci à tous hein, d'être aussi nombreux au rendez-vous après mon mois d'absence. Ça fait très, très plaisir. Là, je vois, on est 65. C'est de la dingue. Alors... Ok, BRB 2 minutes, ok. Et on va l'enfermer chez lui. On va prendre ça. Et pour le coup là on va pouvoir prendre le plastron tu vois. Le chemin. Et on va même prendre ça sur le chemin aussi. Ah, il a pas mes guides dans la forêt.
Actarion, merci beaucoup. Après un mois de niveau 1 pour 3 mois d'avance. Un abonnement par niveau 1 pour 3 mois d'avance, c'est incroyable. Merci beaucoup, ma gueule. ...760, c'est pas assez pour faire les 3 villes. Et de revenir après, je veux dire, parce qu'on va vouloir défendre ici. On a plus de DD, hein. Ouais. Tranquille, on va faire ça. Tac, tac. Tac. Et là, prochain tour, on va prendre le plastron puis le go. On va défendre ici. On va pas qu'il s'escape. C'est vraiment chiant par contre d'avoir un héros aussi lent. À 1600 de déplacement à chaque tour, c'est vraiment de la merde. Mais bon, soit. J'ai pas équipé. J'ai pas équipé. Si il me go, je suis plus faible que je devrais de l'être. Aïe aïe aïe, l'erreur du joueur français. Mais bon, là, on l'a un petit peu enfermé chez lui. Alors, il va pouvoir partir de l'autre côté, mais il va pouvoir partir que de l'autre côté. Donc, c'est pas mal. On peut descendre en passant par là, into son conflux. Ça nous fait encore plus de stats physiques. Plus de def, parce que là, il peut gagner que avec son armée. Donc, la défense me sert bien. Oui, c'est vrai qu'il avait dit « Be right back, 2 minutes ». Yozuki Kiki. Faudra juste rembourser le sub, comment ça, frérot? Ah, parce que mon mois d'absence. Et je vois que t'es dur en affaire, frérot. Je pensais pas que t'attendais une contrepartie. Je pensais que c'était un soutien sincère. Aïe 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 aïe. S'il est aussi tactique, ça te fout pas dans la merde? Non, parce qu'on se bat à la magie. En gros, mes nains, ils sont grave tanky, tu vois. Je me base pas sur mes elfes, je vais pas protéger mes elfes pour me battre, tu vois. C'est... Je le tue à la chain, et s'il me go, je le tue à l'élème. Et voilà. Je le tue à la magie dans tous les cas, quoi. C'est qui scrag. Salut, frérot. Ça allait directement dans la poche du J, et la poche du J est magique, tout argent qui rentre n'en ressort pas. On m'appelle Gripsou. Oh, qui a la rêve de Gripsou? Il s'appelle Gripsou, non? Ah non! Non, non, attendez, parce qu'il y a un truc, il y en a un qui te s'appelait Gripsou, mais c'est pas de lui dont je parle. Si? Attends. Bon, je parle de l'ours qui te demande des... Il s'appelle Moneybag en anglais. Qui te donne dans Spyro, qui te demande des gemmes pour passer dans Spyro. Ouais, non, voilà, c'était pas ça. Ouais, non mais c'est pas Picsou, moi je connais pas Picsou. Comment il s'appelle ce fou là? L'ourson avec un monocle, qui a tout le temps un sac avec un joyau dedans dans Spyro là. A chaque fois il te raquette. C'est le clown dans ça? Je suis vraiment pas là. J'étais pas à ça du tout. C'est le clown dans Il est revenu. Mais je connais pas moi ça, ces trucs là. Goudron? Comment ça, Goudron? Tranquille. Bah si vous avez pas, c'est normal, c'est dans Spyro. Le petit dragon. Enfin, je vous dis, hein, Spyro c'est un des jeux sur lequel j'ai commencé justement à jouer aux jeux vidéo aussi quand j'étais tout petit, à 3 ans. Sur PS1, Spyro 1, 2, 3. Gripsou, le clown cambriolant, what the fuck? Donc ouais, bah Spyro 1, 2, 3. Vraiment, franchement, c'est connu comme la licence Spyro, non? SPYRO, le petit dragon violet là. C'est un platformer à la première personne, genre. Putain, comment je me l'ai buté. Bon, maintenant ils ont fait la réédition de tout et tout, et ils puent tous la merde. Enfin, et non. Il y en a un qui est trop bien, c'est la Reignited Edition. Donc le remaster, hein, simplement juste la refonte graphique du 1, 2, 3, la trilogie sur Steam. Que j'ai pris parce que je suis un pigeon de Spyro, j'en ai rien à foutre. Qui va faire quoi? Il est où? Ok. Ok. Il défend, ça veut dire qu'il va pas par là. Ça veut dire qu'il va arrêter de scale. Parce qu'il s'enferme chez lui. Là, il s'est renforcé à fond. Donc moi, je suis pas pressé. S'il se renforce plus, moi je me renforce, puis je l'attaque.
Donc, on va d'abord faire le plastron. Juste avant de faire le plastron. On n'a pas d'autres trucs qu'on veut. J'ai équipé ça accessoirement. J'aurais bien une DD blind et on refinit ici. Attends. En vrai, c'est comme ça, non, quand on les fight. Oh, mon timer. La petite clim de plus 14 de spell po. C'est gros sous. Ah mais c'est exactement ça, c'est gros sous, t'as raison Art. Ripto c'est le méchant dans... Enfin c'est un méchant, c'est le méchant dans Spyro 2. Enfin d'abord c'est pas un méchant, un gros sous. C'est juste le rat originel quoi. Une timer qui m'a mis frérot, j'ai eu la goutte de sueur qui a apparu très très vite. Hein. Vraiment il s'appelle juste Moneybag. Ça c'est en anglais Moneybag, mais en français il y avait un nom, ouais, c'est gros sous. Ouais. C'est ça Art, t'as 100% raison. Comment tu sais où il est avec VR? Bah là je sais pas où il est. En fait on voyait que les drapeaux, tu vois. Normalement ça te met un bouclier là où il est le héros adverse. Sauf qu'on le voyait pas. Ça veut dire que donc il était dans sa ville et c'est pour ça qu'on voyait pas ses stats, il se cachait dans sa ville, tu vois vraiment. Et du coup on pouvait pas voir ses stats. Là il est sorti de sa ville donc on voit ses stats maintenant. Je croyais que c'était que à la fin du tour que c'était actualisé, je crois que ça c'est nouveau. Hein. Donc en fait, tu peux pas vraiment cacher tes stats parce que l'autre il a juste à regarder tes stats pendant le tour et il les voit. Actualisé. Yo Sharda. Heureux. Ouais. Ok. Ok, il a pas de magie. Aucun de nos deux, enfin les deux ont tactics donc aucun n'en a, effectivement. Il a j'ai le double de mana mais il a quand même beaucoup de mana quoi, on va certainement pas gagner au mana, ok. Il a le tome d'air. Et il a la suite prio. 21 BMO. Mais il a pas eu le temps de les upgrade. Ça me met très très bien forcément. Si je fais quand même une chain en mode forceur. Ok. 9 et 3. Bon ça va certainement jouer à invoke d'élème d'air. Hein. Mais je pense qu'on va d'abord prot air sur nos nains. Et on va les entourer. Parce qu'on gagne à distance. Je pense que c'est prot air tour 1. Je pense que c'est ça. Hein. 7 de speed, il me reach pas en 2 tours. Par contre, eux, ils me reach en 2 tours. Voilà. On tue 11% de son stack à chaque tour. 11-12. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, parce qu'en fait. Il a... Pourquoi est-ce que j'ai prot air? Parce qu'il a prot air, ça veut dire qu'il a le tome d'air. Parce que c'est le moyen d'avoir prot air. Donc il peut mettre des chains. S'il n'avait pas prot air, je serais parti du principe qu'il n'avait pas tome d'air. Et en plus, en gros, ça fait quoi? Les sorts de prot, ça rallonge la durée du fight, tu vois. Parce qu'on est tous les deux plus tanky. Moi je veux rallonger. Parce que moi je veux me générer de l'armée à chaque tour via mes invocations. Et lui il pourra même pas les tuer les invocations parce qu'en vrai il a 11 de spell po. C'est vrai qu'en fait, vu qu'il a 11 de spell po, il peut pas tuer les invoques. Donc en fait c'était peut-être pas ouf. J'aurais peut-être dû déjà commencer à invoquer. Mais le truc c'est que s'il se met à chain mes invoques, même s'il me les one-shot pas, ça va commencer à picoter mon armée avec les rebonds, tu vois. Et j'ai une armée pas si ouf, tu vois, en termes de PV. J'ai un gros stack, mais ça peut partir vite. Genre, si moral sur les BMO, il me fait un frenzy, il peut le one-shot. Genre, enfin, frenzy sur les BMO, c'est useless vu qu'ils ignorent la def, mais bref, ça peut faire très vite, très mal. Et donc, je préfère assurer le coup. C'est plus safe, quoi. Là, on est moins sujet à un fuck-up potentiel. Là, on a bien
Fais en sorte qu'il y ait plusieurs étages de one stack, plusieurs couches de one stack pour qu'il puisse pas les tuer avec un orc et après passer avec les Thunderbirds au prochain tour. Météor, ce serait pas un drame. Si Météor, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait pas tant que ça de dégâts et si Météor et que moi j'invoque 160 LM, 120, attends, 136 LM, crois-moi que ça va pas être à son avantage. Vous avez pas les stats pour que Frenzy soit usé sur IBMO? Si, parce que vu qu'ils ignorent la def. Ah non, mais ah, alors s'ils étaient upgrade. Si. Oui, ça aurait pas été OZEF, mais quand même. En fait, si. Bon, en gros, ça aurait moins d'impact sur une autre unité, mais oui, ça aurait pas été OZEF, Lambda, oui. Avec du moral. Oh le bâtard. Oh le berserk, ok. Bon, en vrai, non, ça change rien. En fait, c'est moins fort que Meteor ce qu'il vient de faire. En fait, il a all-in sur le fait que tout se fasse berserk. Mais bon, tout s'est pas fait berserk. Alors, là, faut temporiser. En fait, son but, c'est de me tuer vite. S'il me tue pas vite, je gagne. Donc, si il me tue... Enfin, donc, comment est-ce que je ralentis la game? Bah, on va invoquer chaque tour et on va essayer de s'éloigner de ses BMO, par exemple. Ses BMO, on peut les kite en s'enfuyant chaque tour. Bon, le problème, c'est qu'ils vont connecter nos nains si on bloque pas. Et je pense qu'on va pas pouvoir bloquer. Lui, déjà, il joue pas. On va pouvoir faire que ça, mais je pense qu'il va tuer les one stack avec ses orcs. Et ça, ça va me faire bien chier. Du coup, on va se baser que sur les LM. En fait, ce qui est chiant, ouais, c'est qu'il a skip ça. On va pas lui montrer qu'on peut débloquer, ça se trouve, il va pas y penser, du coup, il va pas les débloquer. Ouais, si, il a bien joué. Bon, il peut quand même pas reach ce tour-ci. Typiquement, c'est pas mal. Il devrait pas nous mettre trop de dégâts avec ses unités parce qu'on est SP Armorer et lui, il a pas Kragak. Donc pour le coup, le spé armoire, là, on va le sentir. Certes, il a offense, mais il a pas spé offense. On est niveau combien? On doit être niveau 20, un truc comme ça. Ok. Est-ce qu'on groupe? Je pense qu'on groupe. Non, en vrai, on s'en fout. On impacte, non? Ah, j'ai du mal à savoir si je devrais attaquer ou pas. Parce que ça va quand même bien accélérer la fight si je me bats. J'aurais groupé les archers, j'ai pas compris comment ça grouper les archers. Pas qu'ils puissent one-shot tes nouveaux stacks d'LM, ouais. Parce que ça fonctionne pas sur les MDR, non, ça fonctionne pas. Avec les archers, ouais. Justement, j'hésite, ouais. Parce que là, en fait, là, on en tue que 3 à 15 et la riposte, elle va nous faire mal et ensuite, il rejoue. C'est quoi cette merde? Le truc, c'est que les archers, là, ça sert à rien de les défendre. Il va berserk tous les tours ici. Et il peut être gagnant. C'est 21 BMO plus ses rocs qui me tue quand même, mes 136. Après, les nains vont être quand même vachement tankés. Hein. Je me demande si c'est pas shield. Enfin, non, non, c'est 136, c'est beaucoup plus fort. C'est réinvoqué chaque tour, je pense. Riku, c'est moins un moral pour chaque faction différente. De base, t'as plus 1 si t'as la même faction. Donc de base, t'es à plus 1. Si t'as 2 factions, du coup, t'es à 0. Et ensuite, si t'as 3 factions, moins 1, moins 2, etc. Je pense qu'on va... J'ai Sharda pour ce message en avant.
You did. J'hésite vraiment. Parce qu'en plus c'est con, mais ces stacks là ils vont me reach, tu vois, si je fais ça. Par contre, en vrai, je pense que c'est pas con. Parce que dans tout, foutu pour foutu, il va me reach avec ses BMO, tu vois. Là, je peux pas, soit ses BMO ils connectent mes RLM, soit ils connectent les nains. Donc dans tous les cas, ils vont mettre tous leurs dégâts. Ça par contre, je peux les tuer, tu vois. Pas une histoire de faction du même alignement. Non, non, non. Si t'as Alliance Angélique, genre, mais c'est un item qu'il n'y a pas sur duel et tout. Après, mais en fait, ouais, s'il rentre là, il peut pas berserk en fait. Donc s'il rentre là, ça m'arrange. C'est... Là, honnêtement, je sais pas quel a été le meilleur choix. C'est dur à dire. Mes LM vont jouer avant ses BMO en plus au prochain tour, donc c'est pas mal ça. Ouais. Il y a quand même eu de la chance d'avoir déjà Prot R. Après nous on a eu de la chance d'avoir Tom Dare aussi hein, mais... En fait il a passé très peu de tours dans le désert donc statistiquement on avait beaucoup de chance de gagner tour 1 quoi. S'il a pas Prot R tour 1 on le tue direct, il n'y a aucun match. Juste bon, il a Prot R du coup forcément il va falloir jouer LM. Et vu qu'il a une armée plus conséquente que la mienne faut... Faut jouer intelligemment. Ah, c'était pas une fourmi? Non, ça devait être un mouchon, j'ai dû confondre. Parce que s'il était sur le mur et qu'elle est plus sur le mur d'une seconde à l'autre, ça doit pas être une fourmi. Une fourmi, ça, c'est pas tombé. C'est un mouchon qui a décollé. Je vous dis, la fourmi là sur mon bureau, elle m'a rendu parano là. Bon, après, c'est pas grave. J'ai du bicarbonate de soude, bah je suis allé en chercher aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est comme. Il a fait quoi? Il a juste tapé, il a pas cast. Je pense que je prends la riposte avec mes elfes. Et je tabasse. Je suis un ouf, il peut me skip mon tour si il berserk là. Oh, oh si berserk il me skip mon tour, je suis un baiser. Oh j'ai fait de la merde là. Alors là par contre... Là j'ai fait de la merde par contre. À quel point on peut kite les PMO? Bah ils sont sur leur terrain donc 7 de speed c'est pas trop kiteable. Hein. Avec mon armée qui a 6 de speed, très peu. Ok c'est bon. Et one shot pas. Oh! Ah c'est bon, c'est bon. Waouh. Ah mais non mais il en a tué que 53. Attends. Mais pourquoi j'ai plus que 42. Ah il les a chain pu taper. Ah ça va, j'ai cru qu'il mettait un coup. Je me disais comment ça il en a tué 95 frère. Mais non mais c'est bon. Ok j'ai cru qu'il avait tué 100 avec les BMO là. Je comprenais pas mais non c'est bon il en a tué que 50. Non c'est bon c'est bon c'est bon. Ouais ok bah c'est bon c'est ok c'est normal. J'ai pris un coup de presse de ouf mais là il va pas pouvoir chain si on fait un... Gloobie Boulga d'unité. Là en gros il peut pas chain les deux déjà.
retarder l'invoque. Je l'ai fait pour une raison, mais attends, j'ai oublié. Non, pas spécialement vrai. C'est plus par réflexe en gros, parce que si c'est pas ce que je caste, bah il peut pas me counter cast entre guillemets. Bon, c'est invoque chaque tour. Hein. Il a pas assez de spell po pour ne les tuer. Le truc c'est que si on les tue on récupère la speed prio. Pour ça je suis en train de leur péter la gueule. Quand Hero Shield, no. Moi tu me dirais de faire ça? Pour moi je réinvoque 136 chaque tour. Pour moi il y a beaucoup plus de value de me rajouter un stack DM que Shield. Parce que déjà regarde, là j'ai deux stacks. Donc si j'en invoque un troisième ça me fait virtuellement 50% en plus de tankiness, on est d'accord. Parce que j'augmente de 50% mon nombre DLM. Sachant que shield ça augmente de 30% stack tankiness. Donc déjà ça, c'est plus fort au niveau tankiness. Et en plus ça fait des dégâts tu vois, parce que bah, le stack il va taper. Donc pour l'instant on est toujours dans les nombres où juste avoir un stack de plus c'est beaucoup plus fort. Et prot air vu qu'il a que 11 de spell pose c'est pas intéressant. C'est pour ça que là c'est spam invoque bêtement et méchamment. Donc 7, s'il recule on peut le tuer avec chain en plus en fin de tour, mais bon, on va pas faire ça, on va continuer à spam encore. On s'en fout qu'il ait la speed prio, ça change rien. Mais oui, hier je lui ai dit l'animation elle est incroyable. Mais oui, si tu cliques tu verras le stream. Mais c'est drôle, j'en ai parlé hier, alors que c'est super rare qu'on parle des... On bug tous les jours, ouais. Exactement, ouais, on est gagnant dans tous les cas. Ouais, c'est ça, c'est un autre streamer qui a fait... autre streameuse du coup je suppose qui a fait d'autres émoticônes. Exactement, c'est ce que je disais hier. Exactement. Elle est insane l'émoticône. Pas kite hein, les BMO, donc dans tous les cas on tue. On va faire ça comme ça la chain elle pourra pas me reach celui là et on va aller finir avec les nains comme ça on va se disperser comme ça la chain Oui, je suis d'accord, mais moi, celle avec les gants de boxe, ça m'a encore plus marqué. C'est vrai que c'est de la dingue. Bah en fait, je pense que les frames dépendent du... de l'animation que tu fais en pixel art. Parce que enfin bon, c'est tellement petit que c'est entre guillemets du pixel art quoi. C'est du, je sais pas, 100 pixels par 100 pixels. Je sais pas combien de pixels il y a, mais bref. Et du coup, ça fait que... Ça fait qu'en fait, c'est... Je pense que si tu mets... Si tu te fais chier à faire 30 couches de pixel art quoi, qui se succèdent, bah c'est archi fluide. Alors que si t'en fais 5, bah c'est moins fluide, mais c'est moins chiant à faire. Non, non, à partir du moment où je peux créer une boucle de cast pour invoquer et qui peut pas out damage mon invocation, il peut plus gagner.
peux pas mettre de lien, hein, Barastor. Nous, on voit trois petites astérisques. Ouais, c'est ça, c'est le spell po, hein. On a vu le spell po. On a vu tome d'air, orbe d'air dans le biome. On a go. Mais comme quoi, orbe d'air est moins importante que le tome d'air, hein. Parce que orbe d'air sur les LM, ça change rien. Donc certes, on avait l'orbe d'air, mais c'est que le tome d'air, la cacarie. On aurait pu ne pas avoir orbe d'air, ça aurait strictement rien changé au fight. Ah, toi aussi, t'es abonné là-bas, Sharda? Ou tu viens de t'abonner pour avoir les emotes? Pas 50. Après, à 1k2 sur un perso might, sachant que j'ai pas eu le plus de partout de mon biome, quand même, franchement, on a un beau bébé en termes de spell po. On est clairement pas mal. Bon, mon ref, tu GG out là? Mais bah, je sais, tu taquines. Mais en vrai, on est quand même vraiment bien. Avec Solmir, tu vois, on aurait eu au moins 40 là. Avec, tu vois, une classe qui a pas mal de spell po en level up. Hein. J'avoue que là, tu sais que c'est la première fois que Archie se fait copier ses emotes. Yobintox. Oui. Merci beaucoup, Sharda, frérot. Oui. Incroyable. Oui. Bon, il n'a pas l'air décidé à play. Attends, on est quasiment à 100 subs, les Zamzam, mais... La folie. Merci à tous, vraiment. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir. J'atteins... En fait, avec les enchaînements qu'il y a eu dans ma vie, plus le déménagement, plus là, le soutien que vous m'apportez, moi, j'ai jamais réfléchi à faire de Twitch mon métier. J'aimerais bien, évidemment, je l'ai toujours dit. Mais... pour moi, ça n'a jamais été une éventualité dans laquelle je me projetais réellement, quoi. Mais là, pour le coup, ça fait réfléchir, quoi. C'est de la dingue, quoi, franchement. Merci mille fois. Hein. Parce que pour le coup, si j'ai un jour les revenus nécessaires à ma survie avec Twitch, bah pour le coup, moi, je go Twitch instant. Hein. Y a pas de taf. Je vous délivre des streams H24 de la qualité la meilleure que je puisse. Finish him. Faut bien celle-là, by the way. Putain, frère, par contre, il casse ses couilles. Là. Tu fais quoi? Il essaie de me regrouper pour... Ouais, bah oui. Eh, quand même, hein, la reprise. La reprise. En plus, eh, la game était mal partie. Hein. C'est quand même la game Mephala, là, au début. On était en full galérance, hein.